Là, ils occupent le chantier du Lutetia, d'une part parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires qui travaillent sur le chantier et qu'on demande l'abrogation de la convention UNEDIC qui concerne tous les chômeurs, mais en particulier les intermittents, les intérimaires et globalement tous les chômeurs qui alternent les périodes de chômage et les périodes d'emploi. Donc ça rentre en application le 1er octobre. Et donc c'est pour dénoncer cette convention qu'on occupe aujourd'hui l'hôtel Lutetia et qui est par ailleurs un symbole un peu de la richesse et de l'argent qu'il peut y avoir dans un chantier, alors que par ailleurs, il y a plus d'un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé ou des intérimaires qui sont employés dans des conditions assez difficiles.